Wow. Eh bien, même si toi et moi on devrait le faire, ok? J'aimerais que tu sois dans un état sobre. Comme ça au moins tu pourras prendre plaisir. Pas avec toi. Non, pas avec toi, Duncan. Aya. Qu'est-ce que tu as? Hein? Combien de fois j'ai été gentil avec toi? Combien de fois est-ce que j'ai essayé de prendre soin de toi? Plusieurs fois. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu ne me trouves pas assez beau? Tu me trouves dégoûtant? J'ai une mauvaise odeur ou je ne sais quoi? Parce que plusieurs personnes m'ont dit que j'étais très attirant. Tu ne me trouves pas attirant? Je ne sais pas. Oui, tu es beau. Et j'aime bien être en ta compagnie. Mais alors, pourquoi est-ce que tu es si pressé que ça de t'en aller? Pourquoi est-ce que tu es si tendu? Tu as trouvé mes actes horribles? Je ne te demande pas de m'aimer. Écoute, je ne te demande pas de m'aimer. Hein? Je ne t'aime pas. C'est super, tu ne m'aimes pas, c'est cool. Je ne veux pas qu'on arrive à un stade qui pourrait nous dépasser. Je vais être un peu direct avec toi. Ok? J'ai envie de toi, mais je veux savoir si c'est réciproque. Tu es sûr? Je ne comprends pas. Dis-moi la vérité. Moi aussi, j'ai envie de toi. Ok. J'espère que tu vas bien. Je serai dehors toute la journée. Mais je vais rentrer ce soir pour me changer rapidement et aller à un rendez-vous d'affaires. Tu comptes rester seul? Je ferai ce que tu veux. C'est qui? Et pourquoi tu ne décroches pas? C'est mon ami. Oh, ton ami, ok. Vu que tes amis ne t'ont pas vu et n'ont pas de tes nouvelles, elles te cherchent, c'est normal. J'ai commencé à croire que tu n'avais pas d'amis. pourquoi est-ce que tu ne les inviterais pas? On pourrait bien déjeuner ensemble, demain, si ça te dit. Je vais y penser. Ok. Tu es encore assise là? Tu ne sais même pas ce qui se passe. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Puce, on va prendre d'assaut cet hôtel. Je viens d'avoir Aya au téléphone. Hein? Est-ce que tu es sérieuse? Je ressemble à quelqu'un qui blague. Ma puce, on va enfin entrer dans un hôtel de luxe. Donc finalement, je vais enfin visiter cet hôtel. Chérie, Tu sais ce que je vais faire? Hey, je vais me rendre super belle. La façon dont je vais m'habiller, tu ne vas pas me reconnaître. Peut-être que je vais taper dans l'œil d'un homme riche et qu'il voudra faire de moi sa petite amie. Tu vois? Pourquoi tu fais cette mine de gorille? Toi, tu aimes trop les hommes. Ah, et puis quoi encore? Tu exagères. Ah! Attends que je te dise en même temps. Là où on va, on ne va pas pour chercher des hommes. On va plutôt pour donner une bonne image de notre Aya. Alors fais attention. Ma puce, je vais te dire la vérité. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Et pour avoir cet argent, j'ai besoin d'être connecté à un homme vraiment riche. Tu comprends? Ok, la dernière fois quand je priais, tu te comportais bizarrement. Tu faisais le malin. Ça maintenant que tu es chaude? Quelle réponse tu veux que Dieu te donne? Toi,
Toi qui télécharges les films X quand nous sommes à l'église, et tu penses que Dieu va m'oublier pour te répondre? Pardon, change de Dix. Oublie-moi ça. Si de simples mortels comme nous peuvent faire de bonnes soupes, des soupes délicieuses avec des feuilles amères qui sentent mauvais, hein? Pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas rendre délicieuse la vie d'une prostituée comme moi? Et pour ça, j'ai juste besoin qu'il me connaisse à un homme vraiment riche. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je n'ai plus le temps de t'écouter. Je vais chercher des vêtements à me mettre, d'accord? Parce que là, je dois être au top. Hey! On va prendre un taxi, n'est-ce pas? Un taxi, c'est peu. Je suis malade. Écoute, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent pour un taxi. Mais ce n'est pas une mauvaise idée si c'est toi qui payes. Après tout, c'est toi qui as travaillé toute la semaine. Oh, doux Jésus. Toi. Donc, quand tu me regardes de haut en bas, quand tu vois la robe que j'ai portée et que tu vois toutes mes formes, tu veux que je tourne n'importe comment dans la ville? Tu as oublié que Aya a dit d'être sapée, hein? Tu as déjà vu une femme bien habillée, une femme classe qui se balade en moto? Est-ce que ça va dans ta tête? Ça ne m'intéresse pas, c'est ton problème. Allons en taxi, je sais de quoi est-ce que je te parle. Aller en taxi n'est pas mauvais si c'est toi qui paies. Oh, c'est qui cette fille-là? Pourquoi tu n'aimes pas le confort? Je t'ai toujours dit de ne pas avoir cette mentalité de pauvre-là. Je n'arrête pas de te dire de réfléchir comme les gens riches. Pardon, 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 Cherry, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux prouver devant Aya au juste? On ferait mieux d'aller emprunter le taxi, moto ou le bus. Tu veux faire la fille classe? Tu es quel genre de fille classe? Une fille classe qui pisse dans un seau et qui vient le verser dans les égouts. Hey! Tu veux montrer quoi à qui? Ne m'aimez pas. C'est des histoires de fille classe. Ce n'est pas du tout ta faute. Je voulais juste t'apprendre à être classe. Ce n'est pas de ta faute. Je voulais te montrer les bonnes choses pour qu'on te respecte dans la société. N'importe quoi. Regardez-la. Regardez-moi ça. Ne te casse pas les pieds si haut. Hé, on a eu tort. Regarde sa démarche. Tu marches ou tu danses? Dis-moi, chérie. Dis-moi. Ton pied risque de se casser. N'importe quoi. Regarde comme elle marche. Calmez-vous. Reste tranquille, ma puce. Nous n'allons pas nous calmer tant qu'on n'aura pas vu le gars. Oh, regarde comment il t'a rendu. Pour l'instant, rentrons. Allons dans le resto. Ah. Ah, je suis contente de vous voir. Aïe, ma sœur, oh là là. Les filles, vous êtes nerveuses? Nerveuses? Nous? Oh non, pas du tout. Moi, je ne suis pas nerveuse. J'ai juste envie de voir le visage de cet homme généreux. C'est tout. Peut-être que je pourrais l'intéresser. Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Qui va s'intéresser à toi? Pardon, épargne-nous tes rêves à deux balles, là. Reviens sur terre. S'il vous plaît, ne recommencez pas, je vous en prie. Hein? Écoutez, quand il sera là, faites l'effort de bien vous exprimer. Vous avez compris? J'ai compris. Du bon français. Oh, là, il y aurait un problème. Ça sera difficile, oh.
Difficile comment? On t'a dit d'aller à l'école, tu as refusé. Mais si c'était pour manger, tu allais être la première. Pinky, tu vas parler le gros français aujourd'hui. Et je ne joue pas avec ça. Il n'y a pas de problème. On va parler du beau français. Ça, ce n'est rien, ça. Bébé. Je pensais à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu ne ramasses pas tout son argent pour fuir? Ce mec-là doit être quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans sa chambre. Ne dis pas ça. Pourquoi tu dis ça? Quelqu'un qui me traite bien? Je ne peux pas lui faire ça. C'est impossible. Il n'écoute pas du tout. Regardez-la. Salut, mademoiselle. Hey, bonjour, monsieur. Bonjour, très cher. C'est bon, là. Duncan, voici mes amis. Les filles, je vous présente mon... Ton chéri. Ton client. Désolée. Mon ami, Duncan. Duncan est un courtier. Enchanté de vous rencontrer. Moi, pareillement, je suis ravie. Soyez donc les bienvenus. Oh, merci, monsieur. Qu'est-ce que vous désirez? J'ai déjà passé une commande. On a pris du poisson et de la soupe. Alors on attend que ça finisse. Ah, très bien. Comme vous avez déjà commandé du poisson et de la soupe, pourquoi est-ce qu'on n'ajouterait pas des hot dogs? Vous dites? Hot dog. Hot quoi? Oh oui. Ça sera bien, oui. Ok, ça marche. Je vais en parler au chef. Ma chérie, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est hot dog? Est-ce que je sais? Je ne sais pas seulement d'une personne, d'un animal ou d'une fille, je ne sais rien du tout. Moi-même, je n'en sais rien. Tu te demandes si c'est un animal, ce n'est pas toi qui disais « Oui, ok, ça sera super ». Oui, il fallait que je fasse comme si je connaissais. Regarde Google. Ah, il faut qu'on sache ce que c'est. Je n'ai plus Internet, donc va sur Google rapidement. Tu es très intelligente. Ton cerveau est très rapide. C'est naturel. Mais on a un autre problème. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment ça s'écrit? Oh, c'est pas compliqué. Écris simplement Odolphe. Odolphe? Ça ne sonne pas bien dans mon oreille, Odolphe. Si tu sais ce qu'il a dit, écris. Mais je n'ai pas bien entendu. Essaie d'épeler, s'il te plaît. Tu n'as pas bien entendu et tu veux que j'épelle pour toi? C'est normal. Aya, épelle le mot pour moi. Je ne sais pas, moi. Je pense que c'est en anglais. Quoi? En anglais? Hey, c'est que nous sommes foutus. Je n'ai jamais eu la moyenne en anglais quand j'étais au lycée. Vous voulez que j'écrive ça comment? Ce n'est pas en anglais, j'en suis sûre. Je suis sûre que c'est en italien. Ou en swahili. En tout cas, je n'ai rien compris. Peut-être aussi que c'est en libérien, qui sait? Oh, c'est compliqué. Les gens riches sont trop compliqués. Ils passent le temps à manger des plats avec des noms compliqués comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça juste pour manger. Il ne pourra pas commander quelque chose de plus simple, dis-moi. Je n'aime pas ça. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Moi? Oui, toi. Je m'appelle Pinky. Oh, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis... C'est une femme d'affaires. Elle a une grande boutique à la 15e avenue. Elle est aussi dans le milieu des agences immobilières. Exactement. Oh, c'est cool, c'est cool. C'est quoi le nom de ta boutique? Vous voulez dire mon magasin? Ma boutique? Oui, oui. Elle s'appelle... Coco la Diva Boutique. Oh, c'est joli. J'aime les femmes qui bossent dur. Continue comme ça, hein? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Chérie est... blogueuse. Oui, je suis une blogueuse. Wow, c'est très bien. Tu as quel genre de blog? Ma gorge. Tu es sûre que ça va? Oui, je veux dire non. Lèche-moi. Je suis asthmatique. Asthma quoi? Désolé. Prends le temps de respirer, ok? Merci beaucoup. Alors, parlons de blog. De quoi est-ce que tu parles sur ton blog déjà? De mode. Oui. De mode et de... décoration. C'est super.
Ah, mon ventre me fait mal. Nous avons déconné. Nous avons merdé. C'est qui nous, hein? C'est qui nous? Ce n'est pas toi et Aya. C'est toi et Aya qui avez mis la honte sur nous. Maintenant, regarde. Regarde ce que vous avez fait toutes les deux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu m'accuses? Tu n'étais pas là quand Aya nous disait de venir dans cet hôtel, hein? Mais c'est toi qui as accepté. Écoute, moi j'ai envie de rentrer. Cuisinez-moi, Akpou, et me reposer. Oh. En fait, hey, Seigneur, je te jure que je ne te suivrai plus jamais dans ce genre de choses. À partir d'aujourd'hui, où je te parle, à cet instant même, cette histoire de prostitution est terminée. Je n'irai plus dans la rue, plus jamais. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tes oreilles sont bouchées? J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais retourner dans la rue. Je vais me chercher un boulot, n'importe quel type de boulot, pour m'occuper de moi. Plus jamais de prostitution. C'est toi qui vois. Oui, c'est moi qui vois. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne laissais pas tes amis répondre à mes questions? Quoi? C'est évident. Qu'est-ce qui est évident? Aucune n'est blogueuse, aucune n'est femme d'affaires. Vous faites toutes le même boulot et ça saute aux yeux. Allez, n'essaie pas de me mentir, ok? Je t'aime bien et je peux aussi bien les aimer si tu me dis la vérité. Mais Duncan... Pas de mais. Pas de mais. Je n'aurais peut-être pas dû les inviter. Ok. J'ai un invité qui m'attend en bas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Merci. Il faut que je raconte à Marc ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est vu. C'était quelque chose du genre... Si tu recherches l'amour, tu t'es trompé de rue. Mais si tu veux passer du bon temps, tu as frappé à la bonne porte. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ton visage m'est très familier. On s'est déjà rencontré. As-tu déjà travaillé dans une boîte de nuit? Non. Alors, tu es juste dans la rue. Oui. Seigneur Jésus, Duncan, tu es le seul millionnaire que je connais qui se balade dans les quartiers pauvres pour rechercher l'amour. C'est quoi la différence avec les autres femmes? Je pense qu'elle est bien, hein? Et en plus, elle est belle et intelligente que les autres filles que tu m'as présentées. Ok, si tu le dis. Tu es très calme. Tu n'as pas dit un mot depuis qu'on a quitté le restaurant. Aya? Tu n'es qu'un sale menteur! Wow, tu as perdu la tête ou quoi? Tu t'es bien foutu!